l'association Toulouse Cosplay, créée il y a à peu près presque un an maintenant. Donc voilà, c'est le deuxième TGS qu'on fait avec notre asso. La première fois, on avait fait un stand Marvel et cette fois-ci, on présente un stand dans l'univers de World of Warcraft, dans un événement saisonnier qui est la Foire de Sombre-Lune qui se passe chaque mois dans le jeu. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yuan, je fais partie de l'asso Toulouse Cosplay depuis environ 6 mois, peut-être un peu moins. Voilà. Du coup, j'étais pas sur le projet World of Warcraft de la Foire de Sombre-Lune. Je suis là en tant que pour les aider, pour monter le stand, superviser un peu les animations, regarder ce qui se passe. Ouais, en fait, il fait quasiment tout parce que là, il fait beaucoup de choses. Voilà, donc du coup, c'est essentiellement pour les aider, leur tenir compagnie aussi, et voilà. Et en espérant que tout se passe pour le mieux. Une pierre de téléportation que tout joueur a dans le jeu pour revenir à son foyer. Bonjour, alors moi je suis Célois, je suis donc la chargée de communication dans l'association de Toulouse Cosplay. Et là aujourd'hui, donc on fait un stand World of Warcraft et je suis préposée d'un stand où nous fabriquons quelques pièces qui ont un rapport avec le thème World of Warcraft. Nous avons de foyer qu'on peut se faire avec du vernis phosphorescent, donc ça brille dans la nuit, c'est voilà. Ainsi que des murlocs, on apprend à faire donc avec de la feutrine. On a fait les petits patrons, comme ça les gens peuvent se débrouiller aussi tout seuls, mais on jette un œil quand même pour aider. C'est pour tout le monde, donc c'est surtout pour des fans parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Quand on parle de murlocs, ils ne savent pas de quoi on parle, mais ça intéresse aussi les enfants, ils trouvent ça mignon. Voilà. Donc on a deux animations qui est le stand de tir et mettre des anneaux dans une tortue. Kira Ekops, qui a été troisième à l'ECG et représentante française de l'ECG il y a 2 ans. L'ECG qui est l'European Gathering Cosplay, qui est le concours européen en fait français. Alors bonjour, je m'appelle Kira E, donc je suis cosplayeuse depuis 13 ans et j'ai été invitée par l'association Tous Cosplay au TGS. En 13 ans, j'ai fait beaucoup de concours. Enfin, j'ai fait les Japan Expo, les concours généraux. J'ai participé à l'Euro Cosplay en 2011 avec la finale à Londres. J'ai participé à l'ECG, à l'Euro Cosplay Championship à Japan Expo en 2014 où j'ai eu la 3e place. Et voilà, je participe beaucoup aux concours surtout de Japan Expo. Nous avons les Gourgon Geeks qui sont des photographes en fait et vidéastes de Lyon qui sont venus en fait qu'on a invités et qui sont venus poser leur stand photo et partager un bon moment avec nous parce qu'on les a rencontrés sur des conventions. Notre démarche, c'est qu'on a été invité par les charmantes jeunes filles de Toulouse Cosplay. En fait, on les a rencontrées à Japan Sun l'année dernière.
ouais, c'était ça, en mois de mai, je ça, crois. Et on a bien sympathisé avec elle, on s'est bien éclaté, on a fait des jolis shootings photos, puisque bah, nous, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est de la photo avant tout. Et de la vidéo. Non, alors en convention, en tout cas, voilà. En convention, c'est beaucoup de photos. Ouais. Voilà, du coup, on a été invité par ces chardons de demoiselles ce week-end. Donc, on a un très joli bout de stand avec un joli stand photo. Voilà, ce qu'on fait, mais on ne fait pas que ça. Donc, bah, je te laisse continuer. À toi. Donc, voilà, effectivement, on fait aussi de la vidéo. Donc, on a une chaîne YouTube où on fait beaucoup de parodies, du gaming. Des reportages, parce qu'effectivement on est en convention, donc on fait des reportages comme vous. Et Dieu sait que c'est pas facile. Et mais on prend beaucoup de plaisir parce qu'on rencontre beaucoup de gens, des gens très sympathiques. On se fait des amis. Ouais. Surtout à Toulouse, c'est cool Toulouse. Voilà, et puis voilà, c'est comme ça du coup qu'on a rencontré ces charmantes jeunes filles de Toulouse Cosplay et qui nous ont fait le plaisir effectivement de nous inviter ici. Arrête de dire ça, mais il y a aussi des hommes chez Toulouse Cosplay, ils sont très sympas aussi. Oui, voilà, les hommes aussi sont très sympathiques. On va avoir des problèmes. Donc voilà, voilà, on fait de la vidéo et puis bah ouais, des conventions pour faire plaisir. Quoi. Donc en fait notre collectif s'appelle Gourgan Geek. Donc on n'a plus les t-shirts, nom de Dieu. Donc Gourgan Geek, c'est coucou, tu veux voir mon geek? Donc c'est très culture internet, très les mimes qu'on appelle ça sur internet. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parodies très débiles, on va dire, ça vole pas très haut, mais voilà, c'est ce qui nous fait marrer. Et donc voilà, on fait de la vidéo très gaming, alors pour parler. C'est juste qu'en fait on fait des choses très polyvalent. On fait à la fois donc comme disait Chris des parodies, donc par exemple beaucoup de gens connaissent la parodie de Bella de Maître Gims avec des chèvres, et c'est nous. on a fait la même chose avec, on a fait beaucoup de choses comme ça, donc des parodies avec des chèvres. Donc il y a eu pas mal de Maître Gims, il en a pris pour son grade, on l'a fait pour lui. Il y a eu du qu'est-ce qu'on a fait, ce que fait aussi la Reine des Neiges qui a fait beaucoup. Alors là c'était pas des chèvres mais c'était la connasse des neiges, ça s'appelle. Donc voilà, je sais pas si on peut le dire, on s'en fout, c'est le nom de la vidéo, donc merde. Donc voilà, où c'est un montage avec des extraits du film et notamment de la chanson insupportable Libérée, délivrée ou délivrée, libérée, je sais jamais dans quel sens ça va, je m'en fous. Et où en fait Chris nous a fait un montage magnifique avec des extraits du film où Elsa, c'est ça, balance des sorts de glace et où des gens derrière se cassent la gueule. Et du coup c'est très très drôle parce qu'Elsa est une connasse, donc voilà, ça a fait pas mal de buzz. Donc oui, pour revenir à ce que je disais, c'est très polyvalent. On fait aussi beaucoup de gaming, donc on fait ce qu'on appelle du cardio gaming avec des gens qui jouent à des jeux qui font peur avec un cardio-fréquence-mètre pour capturer un peu les battements cardiaques au fur et à mesure du jeu et les réactions face caméra. Voilà, c'est des jeux qui font peur, c'est assez drôle. On a fait aussi des courts-métrages parce qu'on a travaillé pas mal sur des concours de courts-métrages. On s'est d'ailleurs formé sur un concours qu'avait lancé le alors je sais pas si on peut dire youtubeur, mais en tout cas le vidéaste Usul. En fait il avait lancé un concours à l'époque où il était sur jeuxvideo1.com où il fallait faire son propre 3615, puisque c'était le nom de son émission. Et du coup en fait on a terminé troisième du concours, deuxième du concours, et on a reçu le prix spécial Michael Bay parce que voilà, pour les effets spéciaux, parce qu'on a fait on avait une grosse Gatling faite maison avec une grosse partie très Usul, très où on présentait un peu philosophique etc sur le jeu vidéo, et une dernière partie, un dernier tiers de vidéo qui est une scène d'action. On s'est fait très très plaisir. C'était ça, ma feu. Voilà, exactement. Voilà, c'est le prix Michael Bay. Voilà. On a winné l'internet ce jour-là. Donc voilà, on fait vraiment beaucoup de choses en plus de la photo, du court-métrage, de la parodie, de la vidéo gaming. On s'interdit rien. On fait ce qu'on a envie. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. On s'en fout, nous on s'éclate. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Gourgan Geek. On a aussi notre site gourgangeek.com, notre chaîne YouTube youtube.com/gourgangeek. En fait tout Gourgan Geek. Ouais, voilà. En gros vous tapez Gourgan Geek sur Google et vous aurez tout. Voilà. Et bon salon. Et bon salon. À l'année prochaine. Merci beaucoup à vous. Bon courage aussi.